on est dans une salle de bain. Ce qui est pas complètement faux, en fait. Non, on est dans une salle de bain. On est dans une salle de bain. Vous avez remarqué le carrelage derrière? Oui, on est bien dans des chiottes. Ouais. C'est des chiottes réaménagées. Chacun a son siège. Du coup, pas besoin de se déplacer. Ok, la finale, Gray contre Yas, Mario contre Fox. Tout à l'heure, Gray s'est fait déglinguer, donc on va voir si... il a eu le temps de se chauffer là, il a eu le temps d'avoir peur, il a eu le temps de se rappeler comment est-ce qu'on joue à ce jeu déjà. Ah, le combo qui passe super bien sur Fox. Ok, il y a un perfect shield qui est passé. Sinon ça aurait été une stream gigantesque. Bien tenté là. Il a failli 2 frames là-dessus. Oh, c'était tendu. Il a failli le re 2 frames là-dessus, mais je pense pas que ça aurait kill même chargé à fond, genre 85 sur le. Non, sur le bateau tué. Non, je l'ai tué, je pense. Peut-être du risque un peu inutile à voir. Là c'est serré, hein, et on retrouve un petit peu ce qui se passait dans les games précédentes. Le nerf qui est excellent contre la première Fox. Game. Le nerf qui est excellent contre Fox, celui de Mario. Ah bon? Ah oui, c'est vrai, pour éventuellement combo breaker. Ouais. Oh. Oh. Alors ça c'est rigolo, il ne frame pas avec les smash, mais par contre avec le down tilt. je crois qu'en plus le down tilt a moins de frame active, je suis pas sûr. Là, y a pas d'avantage. On va voir si Gray il arrive à spin animation. Non, il aurait pas pu. Trop rapide. Oh, c'est ouais, bien joué. Ça bourre un petit peu. Ah, la back throw qui va pas tuer. Ouais, surtout sur Battlefield. Oh, ça c'est la belle dodge. Ça c'est signe de très bons joueurs lorsque les mecs ils savent où est-ce que tu vas Reco et ils arrivent à te follow genre bien bas lors de leur edge guard quoi. Bon là du coup il s'est raté sur le back air mais ça a failli lui rapporter beaucoup. Ok. Donc up throw tout j'attends, pourquoi pas. Magnifique back air en pivot. Très beau. Bonjour. Il a fait un back air beau, voilà. Là bon, par contre, c'est juste des back air et up tilt. Je sais pas si c'est beau du coup. Non, c'est pas beau. Tu prends des notes ? Ouais. Back air, up tilt. Ah, up air fini. Up air, et voilà, ça tue. T'as vu lui aussi, hein, il court, il ferme les yeux, il a besoin de machin. 6-0. Ouais, il est chaud là, hein, Yas. 6-0. Bon, un coup. DF Lilat banni. Ouais, bon, est-ce que c'est si tiré? Non. Oh! Mais Gray, tu sais pas le jouer ce perso? Il est tout rouillé! Donc Gray qui joue un perso qu'il a pas joué depuis. Et on voit la déception. Depuis 3 ans. À peu près. À peu près. Approximativement. Depuis approximativement 3 6 ans et 2 jours. C'est-à-dire depuis qu'il a joué à Bayonetta 1 en fait. Alors, peut-être qu'il compte sur. Sachant que je trouve pas le match-up si dégueulasse en fait. Ah ouais? Non, je dis pas que c'est un match-up dégueulasse, c'est juste que le perso est plus fort quoi, c'est tout. Oui, c'est tout. Mais après. Gray, même, il était connu. Enfin, connu. Pas forcément. Enfin, si quand même. Ah! Bon, Mario, Bayonetta. C'est marrant parce que lorsque je joue contre la Bayonetta de Gray, j'ai pas l'impression. Je sais que je joue contre Bayonetta, mais j'ai pas peur de me faire vraiment douiller comme une Bayonetta. Quoi. Ouais. C'est plus neutral de Gray qui va utiliser les outils de Bayonetta vraiment, vraiment bien. Quoi. Ah, le saut, catch. Bon alors, est-ce qu'il va tenter un truc du genre, ok, la première game c'est une game de chauffe et après je gagne tout. Allez, c'est possible, hein. Ça m'a l'air pour l'instant compliqué.
C'est possible, mais bon, peut-être qu'il faudrait qu'il survive un peu plus longtemps. Oh, ah. Witch Time. Et c'est la mort. C'est C'était mérité. C'est marrant parce que, à la limite, on se disait, ouais, c'est bon, Yas. Enfin, là, il est en train de l'éclater et tout. Mais bon, autant, Witch Time. Et c'est la fin. Mais bon, c'est ça, Smash 4. Qu'est-ce qu'un lead, n'est-ce pas? À part un Don't Be O. Non. Ah. Joli combo. C'est dommage. Joli combo. Mais c'était bon. Mais, honnêtement, j'ai pas assez d'expérience. Oh. Oh. Ah, c'était pas mal. C'était pas mal. C'est pas un truc que je vois souvent personnellement. Ah, après, je vois pas assez de Bayonetta en vrai. Ah, peut-être. Oh! Ça aurait pu être la douille ultime là. Ça aurait pu être la fin. Bon, la douille ultime peut-être pas, mais. Ah, ça y est, il va mourir. Du coup, Yas vient du winner, c'est ça? Ouais, Yas vient du winner. Ouais. Eh, franchement, ça va! Bon, enfin, ça va! Il a gagné sur une douille, on est d'accord. Enfin, il a réussi à prendre une stock. Là, il a réussi à prendre une stock sur une douille. Donc, à voir comment il va réussir à se débrouiller là. L'idée du. Ok, cette première game, c'est de la chauffe. La deuxième sera la bonne. Mais je pense que Yas, il le sait que si. S'il commence à perdre des games, ça risque d'être mauvais pour lui ensuite. Je pense toujours pas que Bayonetta a été meilleur. Bon, après meilleur là, aussi. Honnêtement. Enfin, après, je sais pas, j'ai l'impression que Gray, peut-être qu'il la joue pas très bien en fait. Là, il a tenté un tilt, ça n'a pas du tout combo. Ouais, je pense que c'est un peu sorti en mode. Il cancel ses backers avant même qu'il y ait une hitbox. Ok. Sur le shield, pourquoi pas. Oh mon dieu. Oh là là. On est déçu que la Bayonetta. Que Bayonetta n'ait pas fait quelque chose de sale. Raté son combo quoi. C'est quand même grave. Mais c'est vrai quoi, puisque sur Ultimate, elle sera l'outière, n'est-ce pas? Oh, double on peut battre. Sympa. Ah, Yas se fait pas mal prendre par les backers du coup. Il est bien monté là. Ouais. Enfin, les backers de Bayonetta sont super forts. Donc voilà. Espèce de créature impudente. Ok, d'accord. Le mec se fait punir, qu'est-ce qu'il fait? Il en refait un. Ça c'est marrant, ça le Don't Be qui le fait reculer un petit peu. Ce qui fait que bah, ça marche plus. De dash attack, c'est pas un move qu'on va trouver. Et ça combo, ça monte les pourcents. Ok, c'était pas mal ça. Là, il en a bourré plein des Witch Time. Le problème, c'est que le rond plus tôt dans les Witch Time. Là, il aurait pu ça. Ouais, non, là, clairement, Yas, il a eu énormément de décisions sur lesquelles il a été devant, quoi. Puis à voir après un peu tous ces belles étapes, pourquoi pas, hein, mais. Là, clairement. Il peut avoir affaire à une poubellisation. Effectivement. Donc, Gray s'est fait 6-0 par Yas. Donc on peut le noter sur notre petit calepin. Putain, mais c'est Yas qui a gagné. Oui. Le tournoi, il remporte nos sous.